Le secteur de la restauration est en pleine expansion et recrute. Le Centre AFPA, à travers son restaurant d'application, prépare la prochaine session de formation prévue le 24 septembre. Parmi les métiers, celui de serveur est très recherché. J'enlève la suite de la table 2, chef. Les formateurs sont là pour faire découvrir le métier par la pratique. Comme ils sont en situation de formation, d'apprentissage, donc ils ne maîtrisent pas encore les gestes, ce qu'ils doivent faire, comment le faire, quand le faire. Après, le but, c'est qu'ils prennent, que les gestes deviennent des habitudes, des automatismes. Et là, pour le coup, après, ils se libèrent un peu plus et il y a beaucoup plus d'échanges, de communication vis-à-vis du client. La prochaine session de formation à l'AFPA dispose encore de places vacantes sur la quinzaine de stagiaires attendus. Une formation qui permet d'ouvrir les portes des métiers de la restauration à destination des demandeurs d'emploi. Ah ben, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est rapidement acquérir les bases de la formation, faire tous les petits loupés au début quand on tient les assiettes, on fait les services, tout le stress du début, on le fait ici à l'AFPA. De la formation au restaurant gastronomique, il n'y a qu'un pas. Le besoin en main-d'œuvre est formulé par les professionnels eux-mêmes. Ils éprouvent des problèmes de recrutement à longueur d'année pour des métiers réputés difficiles. Aujourd'hui, notre profession, c'est participatif, alors qu'auparavant, c'était directif. Et qu'à un moment donné, il faut aussi s'adapter, s'assouplir, réagir différemment aujourd'hui. C'est à nous de redonner aussi une image. Le service aussi, c'est un beau métier à part entière où ça nécessite quelquefois l'accueil ou le service indispensable. L'AFPA propose sa formation au métier du service en restauration durant toute l'année, une formation financée par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour les demandeurs d'emploi.